Mais vous avez vu comment on devient gogol quand on a un enfant? Moi, toute la journée, je crois que je parle à un animal de compagnie. Je suis là. Oh, t'es trop mignon, Didi Chan. Du coup, la gamine, elle est complètement débile. La pauvre. La pauvre, je l'aime infiniment, ma poupée. Quand elle était petite, elle avait un an et demi. J'étais avec un pote chez moi et on lui apprenait les mots, on lisait un livre d'images. Et donc, on était là, ballon, château et grenouille. J'ai vu ce qui s'était passé dans sa tête. Elle avait beaucoup de mal avec le son gueux et je l'ai vu faire égainer, égueuler. Et mon pote a corrigé et a dit enculé. Sur le coup, ça m'a fait rire. Je me suis dit, voilà, c'est sans conséquence. Et je me suis absentée faire des courses et il a suffi de 10 minutes pour acter qu'une grenouille se prononçait enculé. Là encore, j'avais encore un rictus, tu vois. Et le lendemain, elle est partie à la crèche. Et tu sais, à la crèche, pour reconnaître ta veste, le porte-manteau, ils mettent un animal dessus. Mesquine, le petit Nabil s'est fait traiter d'enculé pendant un an. Mais vraiment, la maternité, c'est vraiment un sujet qui m'inspire incroyablement. Déjà parce que il y a ce qu'on a fantasmé de ce qui se passerait et il y a ce qui se passe en vrai. Et c'est... Ouais, c'est pas pareil, hein. Le week-end dernier, je suis partie à la foire du trône avec une copine à moi et sa fille et on a fait un manège. Et tu sais, tu marches, il y a des marches, ça souffle, tu passes dans un tunnel. Et je voyais ma copine et sa fille, elles étaient là, elles passaient des moments de complicité. Moi, je galérais, je transpirais, je lui ai tiré par le t-shirt, je lui ai marché sur la main, elle a saigné. On est arrivé en haut, le seul truc qu'elle voulait faire, c'était le toboggan, elle voulait le faire avec moi, je l'ai posé. J'ai pas eu le temps d'arriver qu'elle est partie dans le toboggan. Je l'ai rattrapé avec mon sac à main. J'ai fait tout le toboggan. J'ai râpé mon genou contre la paroi en plastique, ta mère la pute, la foire du trône! J'ai une croûte! C'est ça le problème, c'est le décalage entre ce qu'on a fantasmé enceinte et ce qui se passe. Et comme dirait notre amie Céline Dion, on ne change pas. Et moi, je suis une ancienne Kaira. Et du coup, je me bats contre ça, tu vois. Ma vidéo préférée dans mon téléphone, elle dure 4 secondes. Je vais vous faire l'introduction, parce que 4 secondes, on n'a pas le contexte. J'arrive au parc avec ma petite qui n'a pas 2 ans. Et sur un banc, il y a toutes les daronnes auxquelles moi, j'aimerais ressembler. C'est le genre de meuf qui sort. Moi et Clément ne mange que des compotes que je confectionne moi-même avec des pommes biologiques. Et donc, je suis là, j'essaye de m'adapter et tout. Je suis là, c'est bien, chérie. Je la mets, tu sais, sur le tourniquet, comme ça. Et je la filme jusqu'à ce qu'une abeille me fonce dessus. Bon, on est parti sur un sa mère la pute, hein. Clairement. La vidéo, elle fait 4 secondes. Tu vois le visage innocent de mon enfant. Et ça fait, ouah, sa mère la pute. Alors que dans le fond, je suis une vraie daronne fragile, je fais des gâteaux et tout ça, mais il y a toujours ce truc de Kaira qui revient, que je peux pas lutter, tu vois. Je suis toujours en train de la blesser, je lui coupe la frange moi-même, je fais des trucs comme ça, je vois. Je vous jure, j'ai des photos à l'appui. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce qu'il y a évidemment le côté de j'aimerais être une daronne comme les autres et le côté évidemment j'ai forcément une enfant pas comme les autres et ça je le changerais pour rien au monde, vraiment. Ma fille a des réparties incroyables. Alors on n'est pas sur le même personnage que moi, elle sa vie c'est un Disney et elle est une princesse. Je suis partie la chercher à la maternelle la semaine dernière. Elle est en grande section. Pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas d'enfants scolarisés, il y a dans les classes des ATSEM. Ce sont des personnes qui aident la maîtresse, les pipis, les bobos. Et celle de ma fille, elle s'appelle Valérie, c'est un cœur d'amour. Et je vais chercher ma fille à 4 heures. Et je lui dis, qui c'est qui t'a coiffée comme ça, chérie?
Bah, c'est Valérie, la servante. C'est chaud de ne pas rire. Du coup, j'ai attendu, on est rentré à la maison et j'ai débriefé un peu avec elle. Et elle me dit, mais maman, mais moi, j'aimerais trop avoir une servante. Ouais, bah, t'en as une. Et c'est ça, je trouve, la magie de la maternité. C'est tout ce qu'on a fantasmé, tout ce qu'on a rêvé et qui n'arrive pas. Vraiment, même tous les trucs où on se dit, moi, mon enfant, il fera jamais ça. Ma fille a fait un truc très perturbant. Pendant toute l'année, elle a eu un ami imaginaire, mais extrêmement présent. Elle pouvait tenir des discussions entières. Elle regardait dans le vide, alors tu sais, t'es un peu perturbée comme ça. Poppy, ça s'appelait Poppy. Arrête ! Tu parles à qui ? Bah, Poppy ! Et un jour, je fais un dîner à la maison. J'avais une copine qui voulait me présenter un pote de son mec. Donc, bah, je me mets sur mon 31, tout ça, on est à la maison. Et on dîne, et ma fille lâche une grosse caisse de l'espace. Là, je souffre un peu déjà de honte. Je dis, oh là là, bah, j'ai dit pardon, chérie, quand même. Elle me dit, mais c'est pas moi, c'est Poppy. Je dis, mais dis-lui quelque chose. Elle me dit, mais j'y peux rien, c'est cet enculé de Poppy. Ah oui, parce que j'ai pas précisé que Poppy était une grenouille. Sa mère la pute!